Je suis heureux aujourd'hui parce que, la première des choses, c'est que la Fondation nationale des musées se joint à tous les Marocains pour célébrer ce règne exceptionnel de 25 ans de règne, l'anniversaire de 25 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI. Et on le fête, nous, avec la couleur, avec la lumière, avec la beauté et avec une belle exposition. Avec un artiste aussi important que Wilfrido Lam, qui a été un des amis proches de Picasso. Et je me pose toujours la question, car on trouve certaines thématiques, des thématiques qui sont chez Picasso, dont surtout Guernica, et qu'on retrouve ici aujourd'hui. Et aussi de montrer qu'aujourd'hui, la Fondation nationale des musées est en train de faire un travail de partage contre une exposition se trouve à Rabat, elle peut venir à Tanger, elle peut aller à Marrakech, donc dans plusieurs villes. Et on est très heureux de pouvoir aujourd'hui voir que l'augmentation, c'est impressionnant, le nombre de personnes et de visiteurs qui viennent dans les musées. C'est fabuleux et j'en suis très heureux. Et je voudrais simplement pour terminer rendre hommage à celui qui a donné la place qu'elle doit avoir l'art et la culture dans ce pays et dans ce continent, à Sa Majesté Mohamed VI. Aujourd'hui, on a le plaisir de présenter une belle exposition qui retrace un peu le parcours des artistes cubains depuis Wilfrido Lam à nos jours, c'est-à-dire depuis la fin des années 30 jusqu'à aujourd'hui, avec des artistes qui travaillent sur des médiums différents, de la peinture, de la sculpture, de la photo, de l'installation, la vidéo art, etc. Et c'est une exposition complète qui présente, certes, une vision assez étoffée sur la scène cubaine, comme ce que je disais depuis Wilfrido Lam à nos jours, passant par des artistes de renom. On a parlé tout à l'heure de Wilfrido Lam, on peut parler de Kader Lopez, on peut parler des artistes des années 60 qui ont travaillé sur le support surface parfois, des artistes qui, des dessins d'artistes en fusain, etc. Je pense que c'est très important de pouvoir présenter cette exposition au musée de la Qasbah à Tanger, à l'espace d'art contemporain de Tanger. C'est à la fois une exposition qui permet de montrer que cet espace est capable aujourd'hui de faire venir des grandes expositions, parce qu'elle répond aux normes d'exposition. Et deuxièmement, ça permet à la Fondation d'organiser des itinérances, des grandes expositions, de les déplacer du musée Mohamed VI d'art moderne contemporain de Rabat vers d'autres espaces, à l'image de cet espace.